What's up tout le monde, c'est Pote. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un deck un peu fun. Même plutôt fun en fait. C'est pas vraiment un deck avec lequel vous allez monter le ladder. Donc, petite présentation du deck. Alors, vous avez vu le titre, Ciri Carryover. Alors, pourquoi Ciri Carryover? Parce que on a Ciri. Et on va se baser un peu sur le côté tenace. Parce que. On a mis deux poussées d'adrénaline et on a utilisé deux barbes gazi. On a quoi d'autre? On a le Hogvist qui est très fort aussi en carryover. Alors lui c'est pas une unité tenace, hein, mais le fait qu'il revienne dans la main parfois ça peut vous aider à reprendre un card advantage si l'adversaire n'arrive pas à gérer le Hogvist. Donc ça peut être très fort. Et puis pour aller chercher le Hogvist, on a la double croix d'Alzur étant donné que le Hogvist est notre unité la plus forte. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on joue d'autre? On joue Ozreal. Alors Ozreal, c'est vrai que dans notre deck, il n'y a pas grand-chose à manger, mais généralement, on a toujours... Il y a généralement un espion qui est joué, donc ça fait toujours une grosse unité. Abaya pour gérer la météo ou émettre un venin d'Arrakas, parce que ça fait une grosse value. Nid de monstre, parce qu'on peut rajouter une unité... On peut rajouter une unité tenace, donc c'est plutôt cool. Mandragore pour pouvoir booster un Hogvist, booster une unité... Une unité tenace ou tout simplement détruire une unité adverse. Équinopyre, bah parce que c'est cool. Et puis si on met poussée d'adrénaline sur un équinopyre, c'est plutôt intéressant. Les loups-garous combattent avec la sirène qui elle combatte avec l'éclair de lune. Donc c'est un peu une petite synergie dans le deck. Les brumelins, alors deux brumelins parce qu'on a le dagon et le leshen. Donc ça va très bien. Les mardrômes, pareil, c'est pour booster. Ou pour détruire une créature adverse ou affaiblir une créature adverse. Dans les unités or, bah forcément Cyrinova. Gills, bah pour essayer d'aller chercher Cyrinova. Et pour pouvoir préparer notre pioche pour le dernier tour. Parce que généralement c'est bien de jouer Gills pour préparer notre pioche. Parce qu'on n'a pas vraiment envie de piocher une éclair de lune toute seule. Ou un mardrome dernière manche. Ou encore moins une poussée d'adrénaline. C'est pas vraiment très intéressant. Et Jaskier Poète bah, pour piocher. Donc voilà, j'espère que ce deck vous plaira. Je vais vous montrer quelques parties. Good. Assez dit de sottises. Mettons-nous au boulot. Vous ne nous feriez pas de mal, n'est-ce pas? Ma femme ne s'est pas faite en un jour. Bon, quelle est la dotation déjà? Je vais leur arracher les jambes du corps.
Hé, hey, toi là-bas, par ici. En avant, Vried! Entonnons le chant de l'acier. Il ne reste plus grand-chose de ce monde-là. Approchez. Oyatel à l'attaque! Je ne prendrai jamais en vie! L'Edith Varlet au ciel, Nogar. Ouais, dès que j'aurai fini ma chope. Les rumeurs vont plus vite que le vent.
Icadi et Choup. Assez parlé. Les batailles ne doivent pas toutes finir en bain. Les batailles ne doivent pas toutes finir en bain de sang. Impressionnant. Les hommes, mieux vaut leur tenir la bride. Sachez-le, toutes les routes mènent au Nilfgaard. Pas l'homme.
Zoom. Vous ne nous feriez pas de mal, n'est-ce pas? Personne ne peut m'échapper. Je ferai mon possible. La plume est plus puissante que l'épée. Disparaîtra avec elle. Ledvid Varlet au ciel, Nogar. Quel homme si crétin. Oh, ça sent les ennuis. Un centre d'intérêt spécifique ?